La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré avoir obtenu l'engagement de la Turquie de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire le nombre de migrants qui arrivent en Europe. Cette annonce a été faite vendredi à la suite de l'entretien à Berlin de la dirigeante allemande avec le Premier ministre turc. Les deux gouvernements considèrent les migrants comme une menace à la stabilité régionale. Le Premier ministre a pris la décision de faire tout ce qui est possible pour réduire le nombre de migrants. La solidarité et l'assistance doivent être organisées de façon différente. C'est pourquoi l'immigration illégale doit être transformée en immigration légale. Nous travaillons dur dans cette direction. Berlin et Ankara se sont engagés à améliorer les conditions de vie dans les camps situés en Turquie et à tenter d'obtenir un accord de paix en Syrie. L'Allemagne a fait face l'an dernier à un afflux sans précédent d'1 100 000 demandeurs d'asile. Nombreux sont ceux qui fuient les conflits en Syrie, Irak et Afghanistan, et la plupart d'entre eux sont entrés par la Turquie. En échange, la Turquie pourrait compter sur le soutien de l'Allemagne pour assouplir les procédures d'obtention de visa des ressortissants turcs désireux de se rendre dans l'espace Schengen.